Non merci, ça va Dédé. Quoi? Le Pôle emploi et la CAF t'obligent à faire un stage? Sinon ils te coupent les prestations sociales? Et ton stage, tu le fais où? Oh Baptiste! Oh Baptiste! Oh toi! Oh, ça me dit, tu vas à la soirée OVS? Au théâtre des trois actes, voir le jeune là, l'humoriste, le beau gosse, le sosie à Rovi. Gis le Marseillais, mais c'est pas encore. Gis le Marseillais, paraît-il, il se déshabille. J'amène pas ma femme, j'ai pas vu qu'un fantasme sur lui, attends. Les pompiers, j'écoute. Allô, monsieur, s'il vous plaît, arrêtez de faire. Je ne comprends rien, articulez. Pardon. Vous avez pris le bus. C'est bien. Moi aussi, j'ai pris le bus ce matin. Oh, il est pas con lui, hein. Dans la gueule. Ah non, là, ça change tout. Quelle est votre position exacte? Sous le bus. Ne bougez pas. Je vais voir si je peux déranger une équipe. Oui, monsieur, je vais pas déranger les collègues pour rien aussi, hein. Allô, monsieur, je vous parle. Arrêtez de faire... Vous êtes sûr que c'est pas une plaisanterie? Non, parce que ce matin, figurez-vous, j'ai une gourde qui m'a appelé pour me dire que son chat était coincé dans la machine à laver. Alors moi, monsieur, oui, monsieur, j'ai passé 20 minutes. 20 minutes! Elle lui a expliqué qu'elle regardait trop la télévision et que le chat-machine, c'était une publicité. Vous rendez compte des bourrins que j'ai au bout du fil? On reçoit toutes sortes d'appels inutiles, des appels à la con du style. Alors, des pompiers, j'ai le feu aux fesses. Bon, je vous l'avoue, ça, c'est un grand classique. Mais dans un style plus ou moins différent, j'ai eu aussi... Et les pompiers, j'ai un peu mal à la tête, et j'ai fini mes commissions, je suis au supermarché... Vous pouvez venir me chercher. Oh. On est les pompiers, on n'est pas des taxis. Ah, il n'y a plus de respect pour notre profession, monsieur, je vous le dis, moi. Il n'y en a plus. Allô? Allô? Oh, il m'a raccroché au nez, l'enfoiré. Il n'a pas intérêt à me rappeler, lui, parce que je te le dis, hein. Oh, toi. Oh, toi, ce soir, 23h. Sois devant ton poste de télévision. Et pourquoi? Parce que si t'es derrière, tu verras rien. LOL. Les pompiers, j'écoute. Oui, madame. Calmez-vous. Oh, oh, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Votre jardin prend feu. Ce sont des choses qui arrivent. Mais malheureusement, là, toutes mes équipes sont occupées. Oui, madame. Toutes nos équipes. Attendez, madame. Madame, attendez, s'il vous plaît. C'est quand même pas ma faute si vous êtes nul en barbecue. On est d'accord. Ça va, madame. Arrêtez de chialer. Je vais voir avec Patrice si on peut éventuellement vous envoyer un canadaire. Mais pas avant une heure ou deux. Oh, je vais pas vous envoyer un avion pour deux géraniums. Non, on va laisser le Mistral faire bien son travail. Et quand il y aura le feu tout autour de la propriété, nous, on intervient. Madame, sinon moi, j'ai l'air de quoi devant les collègues, hein? J'ai pas envie de me faire allumer, hein. Oh, Patrice, allumez le feu. Allumez le feu, allumez. Eh, ça va, madame, arrêtez de tousser, je m'entends pas chanter. Oui, c'est bon, calmez-vous. Donnez-moi votre adresse, je vais vous envoyer une adresse. Oui, je vous envoie, oui, c'est bon, une équipe, tout ce que vous voulez. Oui, madame, c'est ça, à bientôt. Oh, vas-y, ça, accroche, accroche. J'ai une bonne sur la femme. Maintenant, elle pourra dire que son jardin, il fume comme un pompier. MDR. Les pompiers, j'y coude. Alors, oui. Votre femme s'est fait manger la jambe par un requin. Où ça? À Marseille. C'est impossible, monsieur. Ouais, c'est impossible. Monsieur, ça fait 35 ans que je pêche dans la cité phocéenne. Et je peux vous certifier, vous garantir, que les seuls requins que vous y croiserez,
il siège au conseil régional. Qui c'est qui hurle comme ça derrière? Votre femme? Eh bien, dites-lui de se la fermer. On ne s'entend plus! Ah bon? Eh bien, puisque vous le prenez comme ça, cher monsieur, à moi, ça me fait une belle jambe. C'est ça, au revoir. Ah, c'est ça. On dit que j'ai les belles gambettes. C'est vrai, c'est vrai. On dit que j'ai les belles gambettes. C'est vrai. Ah, vas-y, ça. Les appels les plus pourris de la région, qui c'est que je les prends? C'est Dédé. Les popis, j'écoute. Allô? Allô? Oui, madame. Qu'est-ce qui... Oui, un type coincé sous un bus. Oui, madame, nous sommes au courant. Merci beaucoup. Madame, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Passez-le-moi. Allô? Allô? Espèce d'enfoiré. Tu me raccroches au nez et tu veux que je t'envoie une équipe? Articule et arrête de faire... Ta main est coincée sous le bus et tu composes le 112 pour avoir un coup de main. Hein? Il y en a marre de se pomper. Oui, monsieur, il y en a marre de se moquer des pompiers. Oui, c'est ça. Il est pas un peu pimpon dans sa tête, lui, sans déconner. Les pompiers, j'écoute. J'ai dit, les pompiers, j'écoute. Quoi, votre enfant? Quoi, votre enfant, madame? Il a bouffé le poisson de l'aquarium. Alors, c'est bon, le poisson, pour la santé. Eh, vas-y, ça. Un piranha? Non, madame, là, c'est pas pareil. Madame, vous rendez pas compte, le piranha, c'est une espèce à voie de disparition. Bon, je vais vous envoyer le vétérinaire, là, de chez Marineland. Ne bougez pas. Oui, oui, c'est ça. À tout à l'heure. Francis, Francis, viens, viens. J'en ai une bonne. Oh, viens, viens, attends. Hein. Elle avait qu'à surveiller sa ligne. Sa ligne. Elle est tombée. Là. De toute façon, après m'être fait remis le trophée du glandeur d'or par la CAF, tu vas voir à moi que les pompiers vont me remettre le trophée du pompon d'or. Tous les appels les plus pourris de la région, qui c'est qui se les prend? C'est Dead. Allô? Maman? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Calme-toi, maman, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, papa? Quoi, papa? Il a eu un accident? Quoi? Il est coincé sous un bus!